Mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, si vous voulez bien prendre place, je vais procéder à l'appel. Marie-Madeleine Hug. Présent. Francine Fezor. Présent. Christophe Rambeau. Présent. Moussa Osturk. Présent. Anne Pascoe. Présent. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli. Présent. Boubacar Ba. Présent. Daniel Barré. Présent. Asma Mana Yamadi est excusé à donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatima Tasso, Anifé Béram, excusée, a donné pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Miné Caillou, présent. Thierry Jolivet, présent. Fabienne Henry, présent. Jacques Lalo, présent. Corinne Moutot, excusée, a donné pouvoir à Christophe Rambeau. Jean-Claude Renouf, présent. Mario Tavares, excusée, a donné pouvoir à Jean-Claude Renouf. Élodie Torres, présent. Bruno Toine, il n'est pas arrivé. Alexis Christodoulou, présent. Eulalie Lama, présent. Cyril Faure, présent. Michel Perrier, excusé de dépouvoir à Cyril Faure, Patrick Gage, présent. Virginie Durand, elle va arriver, Farah Loiseau, Cassim Balaban, absent, Claire Prieux, présent. Secrétaire de séance, propose de désigner Miné Caillou, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc adopté, merci. L'ordre du jour du Alors, c'est l'élection d'un représentant suppléant au Conseil de concertation de la Société. Ah oui. Stop. Avant de commencer l'ordre du jour, je vais laisser la parole à Monsieur Pelletier, qui, comme indiqué dans la convocation que vous avez reçue, normalement, enfin dans l'ordre du jour, qui va vous parler de la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité, donc une convention entre la ville et l'État. Voilà. Monsieur Pelletier, je vous passe la parole. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, présentation de la convention de coordination entre les forces étatiques et la police municipale de Chalette. Donc, historiquement, depuis maintenant quelques années, les communes ont l'obligation, les communes, bien sûr, ayant une police municipale, ont une obligation de passer une convention de coordination qui est signée entre le préfet du département et le maire de la commune. Dans les premières conventions, seules ces deux entités signées. Maintenant, nous avons M. le procureur de la République qui est signataire depuis peu. Donc, maintenant, au départ, tous les 5 ans, il fallait renouveler cette convention. Et depuis maintenant 6 ans, elle est venue à 3 ans. Donc maintenant, tous les 3 ans, on renouvelle la convention de coordination. Donc, entre M. le maire et le représentant de l'État dans le département, et comme je vous disais, M. le procureur de la République. Pourquoi une convention? Et donc, pour signer cette convention, il faut que la police municipale travaille après 23 heures, ou, et, parce que les deux sont possibles, dispose d'une autorisation de port d'armes, donc ce qui est le cas pour la police municipale de Chalette, et un nombre minimum de 5 agents. Donc, c'est le cas également, on a 7 agents. Donc, en partant de là, obligatoirement, on est obligé de signer cette convention. Enfin, monsieur le maire. Donc, la convention a pour but donc, de préciser la nature et les lieux d'intervention des agents de la police municipale, déterminer les modalités de coordination de ces interventions avec les forces de sécurité de l'État et de préciser les modalités d'information entre le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on définit à l'avance certaines missions proprement dites pour la police municipale, pour exemple, la police de proximité, la surveillance des établissements scolaires, la surveillance des commerces ou la surveillance d'autres sites spécialisés ou spécifiques.
Et les moyens de communication, c'est comment on informe la police nationale et en l'occurrence l'officier de police judiciaire lorsqu'il y a un fait important ou une interpellation en matière de flagrant délit. Donc voilà. Donc chez nous, les moyens de communication sont le téléphone. On a une ligne entre guillemets directe avec le commissariat, avec les services compétents pour prévenir en cas de besoin, soit pour une intervention, un renfort, soit pour une personne interpellée pour l'emmener à l'officier de police judiciaire, donc contacter l'officier de police judiciaire. La nouveauté depuis maintenant, la deuxième convention, c'est qu'on a un diagnostic local de sécurité, on appelle le DLS. Le DLS, il regroupe plusieurs choses. Alors, je ne vais pas plus vite que les images. Donc, le diagnostic local de sécurité, donc, il a été donc signé en juin 2021, en même temps que la convention a été renouvelée le 19 août de cette année. Donc, le diagnostic local de sécurité est une étude réalisée sur une commune ou une intercommunalité visant à établir un audit de l'ensemble des problématiques de sécurité. Donc, en gros, on décortique la commune, on essaye de savoir quelle est sa population, quels sont les habitats prioritaires sur la commune, quels sont les besoins. Et après, la police nationale nous communique aussi les chiffres de la délinquance sur la commune et aussi sur la sécurité routière. Je vous dis, voilà, je vous donne les grosses thématiques. Hein, d'accord ? Donc, après tout ça, après cette étude-là, on établit les besoins et les priorités. Donc, les besoins et les priorités définis sur notre commune, lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique, la prévention et la lutte contre les violences à l'école, la prévention situationnelle en général, la lutte contre les atteintes à l'intégrité physique et l'amélioration de la sécurité routière. Donc, lutte contre les incivilités et les troubles à l'ordre public, à la tranquillité publique, ça va du différent de voisinage et, bien sûr, les jeunes qui peuvent poser quelques soucis près d'immeubles ou etc., ou dans certaines zones. La prévention de la lutte contre la violence à l'école, c'est la présence de la police municipale, et quand je dis police municipale, j'englobe aussi l'autre service sécurité qui sont les ASVP dans les surveillances des écoles. La prévention situationnelle, là c'est spécifiquement sur les regroupements que l'on peut avoir dans certains quartiers et certains endroits de quartier, où là on est plus attentif encore. La lutte contre les atteintes à l'intégrité physique, ce sont tout ce qui est agression physique. Et l'amélioration de la sécurité routière. Alors là, on part de la sécurité routière dans les rues, bien sûr, les conducteurs, les automobilistes, les deux roues, etc. Mais on a englobé aussi, nous, la sécurité routière aussi dans les écoles. Parce que c'est vrai qu'entre le moment où un enfant qui a 6 ans CP et il a 18 ans et il a le permis de conduire, il y a un certain laps de temps, mais l'éducation routière ou la sécurité routière part pas à partir de cet âge-là. Et donc, on a dans les écoles les interventions de la police municipale en matière d'éducation routière. Et après, bien sûr, sécurité routière pour les automobilistes et autres, les utilisateurs de la voie publique, c'est tout ce qui est contrôle routier, verbalisation, stationnement, etc., etc. Alors, les quatre principaux paragraphes d'un diagnostic local de sécurité, donc la situation générale de la commune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les habitations, la population, les écoles, le niveau scolaire, mais la scolarité des enfants, enfin des jeunes, les données relatives à la délinquance, c'est là-dessus que l'on va faire un petit focus ce soir, parce que je n'ai pas 2 heures. On m'a demandé 15 à 20 minutes, mais pour présenter tout, il me faudrait au moins 2 heures. Donc, avec M. le maire et M. Malguy, on a décidé de faire un petit focus sur les données relatives à la délinquance que par rapport aux autres chapitres. Et on a aussi donc les données relatives à l'environnement territorial, la sécurité routière, et après les objectifs et les actions qu'on en a vues tout à l'heure. Alors, les données relatives à la délinquance. Alors, ça, ce sont des chiffres qui sont communiqués par la direction départementale de la sécurité publique, donc la police nationale,
chez nous, c'est la police nationale, et c'est le DDSP, le directeur départemental, qui nous communique ces chiffres. Alors, on a dans la délinquance les atteintes aux biens. On a fait sur 5 années, de 16, 17, 18, 19, 20. Donc, avec cambriolage, les cambriolages des particuliers, des locaux industriels, etc. Toutes ces données-là, tous ces chiffres, c'est suite à des plaintes. La police nationale et la gendarmerie nationale, parce qu'il y a des faits qui peuvent se passer sur la commune de Chalette, et le dépôt de plainte peut être fait dans une gendarmerie. Bien sûr, pas pour un cambriolage, parce que là, on est vraiment sur du local. Mais pour d'autres faits, comme un vol de deux roues, il peut être volé à Chalette, mais le propriétaire qui habite, par exemple, à Briard ou à Corbeil, dépose plainte à la gendarmerie de Corbeil. Mais après, le DDSP regroupe tous ces chiffres du département, et après, il y a une base de données sur la ville de Chalette. Donc voilà, ça, c'est toutes les plaintes qui ont été déposées et les chiffres de la délinquance sur Chalette. Alors après, les chiffres, pour vous dire, au niveau des cambriolages, parce que c'est vraiment des chiffres qui sont vraiment... Enfin, c'est les chiffres les plus importants pour les gens et les chalettois. Les cambriolages, pour vous dire, donc là, on a été en 2016 à 104, et après, on diminue à peu près chaque année, 68, on est à 56 en 18... Après, on stagne. 58, 68, c'est vrai que ça fait plus 10, mais à peu près, c'est une équivalence. Hein. Et pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à 2020, à l'heure actuelle, en 2021, on a un chiffre à peu près égal. En 2020, à cette période de l'année, hein, ça veut dire jusqu'en septembre, parce qu'on n'a pas encore les chiffres d'octobre, par exemple, on était à 36, et actuellement, on est à 38. De cambriolage, hein, d'accord. Donc on a des chiffres qui stagnent et c'est une très bonne chose. Après on a les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Après bon, vous lisez parce que moi je peux tout vous détailler, mais après ça va me prendre un peu plus de temps que prévu. Donc sur les ce qu'il faut retenir principalement de ces chiffres que je les retrouve, voilà. D'accord. C'est les chiffres du haut, donc là 114, 120, 129, 170 et 144. Ça regroupe donc les violences. Ça regroupe les violences physiques non crapuleuses, les violences physiques. Attendez, que je mette mes petites lunettes. Les violences physiques crapuleuses liées à des vols, hein, que l'on voit un peu plus bas, et les deux derniers, les violences sexuelles et les menaces de violence. Voilà. Le 114, il regroupe ces quatre thématiques-là. Après, on a aussi donc les violences avec armes blanches, avec et sans armes. Hein, on peut voir, sans armes par exemple, hein, 19, 8, 7, non, liés à des vols plutôt, 19 en 2014, et après on a une baisse, on a une remontée sur l'année 2020, ou 19, et puis après, en 2020, ça rebaisse un petit peu. Hein. Après, les derniers chiffres sur les ports d'armes. Les ports d'armes, et les infractions à la législation sur les stupéfiants. Là, par contre, cette année, sur la deuxième rubrique, ça va un petit peu remonter. Avec comment il s'appelle le GLTD qui est en cours sur la partie stupéfiante. Il y a beaucoup d'opérations qui ont été montées et faites avec le commissariat et il y a eu beaucoup de verbalisations. Donc c'est vrai que sur cette thématique-là, c'est le cheval de bataille du ministre de l'Intérieur. Et par contre, le 17, là, je pense que ça va bien exploser pour cette année. Après, le total des faits constatés, voilà, on avait donc 666 faits, on baisse légèrement, on arrive à 495 sur l'année 2020. Après, cette année, on commence à remonter quand même légèrement par rapport à septembre 2020 et septembre 2021.
on est par exemple sur l'effet total. Hein. L'effet total, on est à plus 38 faits par rapport à l'année dernière. On a une petite remontée de la délinquance générale sur la commune. Hein. Mais ces chiffres, on va les voir là. Donc, en rouge, c'est la circonscription police nationale qui regroupe les quatre villes, Chalette, Villemandeur, Amilly et Montargis. En bleu, Chalette. Donc, vous voyez en bas, donc, on a les années, et avec le pourcentage, avec le taux que représente la ville de Chalette sur la délinquance entière de la circonscription. Donc, on est à peu près au quart. Sachant que, quand même que la ville de Chalette, par rapport à la ville de Villemandeur, est un peu moins calme. Donc, nous, notre ville, par rapport à Montargis, je vais comparer comme ça à peu près, hein, d'accord ? On est à peu près au quart. La ville de Montargis, on va dire, je pense qu'ils sont à peu près à 20-25% ou même plus de 25% de notre délinquance à nous. D'accord ? Pourquoi je me permets de préciser ça ? C'est parce que souvent, quand on parle de Chalette, on parle d'une ville, excusez-moi l'expression, un peu délinquante. Mais voilà, il faut aussi relativiser un peu tout. C'est pour ça que je me permets de le dire en tant que chef de la police municipale de Chalette, mais aussi en tant que citoyen et chef. Donc vous voyez, donc, au niveau des chiffres, par exemple sur 2016, sur les 3400 faits, il y en a quoi, 666, ça représente un petit 20% sur notre commune. Après, on descend à 17, on monte à 20 et on descend à 19,94. Donc voilà. Donc c'est pour vous donner à peu près une proportion des chiffres de la délinquance sur Chalette par rapport à la circonscription de Montargis. De Montargis, oui. Qui regroupe, comme je vous dis, les quatre villes. La circonscription de Montargis, ce n'est pas Montargis. Hein. Je tiens quand même à bien le préciser, qu'on ne m'accuse pas de dire que Montargis. Voilà. Non, c'est pas l'agglo, hein. C'est la circonscription de Montargis, police nationale. Amilly, Villemandeur, Chalette et Montargis. Voilà. C'est pas l'agglo. Hein. Voilà, c'est quatre communes. Voilà. Donc, de quelques petites précisions. Donc, après une diminution continue des faits constatés sur Chalette en 2016, 17 et 18. On y a eu une petite hausse en 2019 avec 586 faits. Hein, et après une baisse de la délinquance de moins 15,53 entre 2019 et 2020. Donc sur cette période de 5 ans, l'évolution au niveau de la délinquance au sein de la CSP, donc la circonscription, donc les quatre villes, hein, se maintient à la baisse d'une année sur l'autre. Avec successivement 3400 faits en 2016, 3380 en 2018, 3192 en 2018, 2000, etc. etc. Hein. Et donc, entre 2016 et 2020, on a une diminution à peu près de 27% du chiffre de la délinquance, qui est quand même pas mal. Ça fait quand même un peu plus du quart de la délinquance en moins sur cette période de 5 ans. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous faire voir sur la demande donc de Monsieur le maire et de Monsieur Malgui sur la convention de coordination et aussi bien sûr sur ce petit focus sur les chiffres de la délinquance. Donc voilà, moi j'ai fini ma présentation. Bien, je pense que bon, il y a les chiffres en valeur absolue, évidemment, qui sont intéressants et dont il faut suivre l'évolution. Faut aussi rentrer dans le détail de la nature des faits, hein, évidemment, parce que tous les faits n'ont pas la même signification. Les infractions, par exemple, bon, c'est moins vrai maintenant, mais les infractions en matière financière, quelqu'un se faisait voler un chéquier. À chaque chèque utilisé,
correspondait à une infraction. Donc, voilà, ça peut faire gonfler des chiffres artificiellement. À la base, c'est le même vol. Bref, ce qui est intéressant aussi, c'est de relativiser ces chiffres. On n'a pas tout là, mais et les comparer au sein de la circonscription police. Donc, c'est 40 000 habitants, la circonscription police. Hein. C'est Montargis, Chalette, Abilly, Villemandeur. De voir comment se situe Chalette par rapport aux autres villes de l'agglomération, membres de la circonscription. Et on voit qu'on représente 20%, alors qu'on représente sur la circonscription 30% de la population de la circonscription. Et la délinquance représente que 20% de la circo. Ce qui veut dire que, je pense que, Montargis, avec son statut de ville-centre, a plus de délinquance que Chalette, parce que c'est la ville-centre, tout simplement. Si vous prenez Amilly, le kilomètre 110, et les zones d'activité en général, les zones commerciales aussi attirent un certain nombre de délinquances, de faits délictueux. Tout simplement parce que c'est des lieux où les gens bougent. Hein, voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Christodoulou. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci monsieur Pelletier pour cette présentation. Premièrement, on aurait bien aimé avoir accès à cette convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité. Ça aurait été, à mon avis, un minimum démocratique que de l'avoir, et peut-être même d'avoir le diagnostic local de sécurité entre nos mains pour pouvoir travailler au mieux ce débat et cette information. Pour jouer notre rôle d'élu, je pense, au mieux, de manière le plus efficace possible. Ensuite, deuxièmement, concernant, donc, si je comprends bien, le diagnostic au niveau de la délinquance, c'est que la délinquance soit, selon les dates, a un peu baissé, soit est restée stable sur la période qu'on nous a présentée. Donc du coup, je m'interroge parce que quand on avait décidé d'armer la police municipale de Taser l'année dernière, on nous avait présenté un portrait noir et sombre de Chalette, disant qu'il y avait une explosion de la délinquance à Chalette et donc ça justifiait l'armement de la police municipale de Taser. Donc ce que je comprends bien, c'était un argument pour justifier cette décision, il n'en était rien. Et ce qui m'invite à poser la question, donc du coup du taser, est-ce que où en est la formation des agents municipaux de la police municipale sur cette question? Est-ce que où en est l'autorisation du port de cette arme? Parce que notre groupe continue bien sûr à s'opposer à cet armement qui est dangereux, et nous militons bien sûr au niveau national pour son interdiction. Merci. Je vais répondre si vous voulez bien. Je crois qu'on n'a pas prononcé le mot d'explosion de la délinquance pour justifier l'équipement, premièrement. Donc c'est né dans votre esprit, mais c'est normal, vous embellissez tout dans vos propos. Deuxièmement, la justification fondamentale de l'équipement de la police municipale de ce type d'armes, c'est uniquement pour que les agents assurent leur propre protection. C'est la seule raison. Et vous le savez bien. Voilà. Les forces de l'ordre, dans le contexte actuel, et ce n'est pas propre à Chalette, ont un sentiment d'insécurité dans l'exercice de leur mission, parce qu'il ne vous échappe pas qu'on est dans une société relativement violente. Je ne parle pas de Chalette, là, en général. Voilà. Et que les faits divers des frais la chronique quotidiennement. Donc, en décidant d'armer la police municipale avec des tasers, avec des pistolets à impulsion électrique, c'était uniquement pour que les agents assurent leur propre sécurité. Et moi, je suis en tant que maire, pour ces agents-là, comme pour tous les agents de la commune, responsable de leur sécurité et de leurs conditions de travail. Voilà, et moi, j'ai lu des articles sur l'utilisation des tasers par les polices municipales. Je n'ai à ma connaissance aucune, entre guillemets, bavure en France sur l'utilisation du taser. Aucune. Voilà. Donc c'est un procès. C'est un procès que vous faites à la municipalité, à la police municipale, mais
On en a pris acte depuis longtemps, et les agents de la police municipale, surtout, en ont pris acte. Voilà. Et leurs familles également. Voilà. Il y avait une autre question. L'information que vous demandez tout à l'heure, donc tous les agents, sur les 7 agents, sur les 5 5 ont déjà reçu leur formation de 3 jours, 4 sont armés, avec autorisation de port d'armes de monsieur le préfet. D'accord ? Il y a 4, donc 4 agents actuellement peuvent porter le pistolet à impulsion électrique lors de leur patrouille. Le cinquième, c'est parce qu'il est arrivé en mutation début septembre et il y a eu un problème de formation et d'autorisation, enfin de formation d'entraînement avec son ancienne commune. On est en train de régler ça avec la préfecture Val-de-Marne. Donc une fois que la préfecture du Loiret aura reçu tous ces documents-là, il aura son autorisation de port d'armes générale. Voilà. C'est encadré, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et l'autorisation, elle est donnée par le préfet. Bien. Oui. Monsieur le maire, je pense que vous ne suivez pas beaucoup l'actualité. Il y a eu un fait une bavure, comme vous dites, justement la semaine dernière. C'était la police nationale, mais c'est quand même une bavure. Le taser a été mal utilisé sur un habitant. C'était en région parisienne. Et l'IGPN a été saisi pour mettre au clair cette affaire. Donc il faudrait peut-être suivre l'actualité et regarder les dangers de cette arme. Non, mais vous n'allez pas passer votre temps à me donner des leçons. J'ai parlé de la police municipale, vous avez bien entendu. Je n'ai pas parlé de la police nationale. Et comme vous l'avez dit, c'est que ça a été mal utilisé. Voilà. Vous avez résumé la situation. Ça a été mal utilisé ou à mauvais escient. De toute façon, une arme, elle doit toujours être un moyen de défense, quel qu'il soit, doit être utilisée en proportion, en proportionnalité de l'agression dont peut être victime ou s'estime pouvoir être victime l'agent de sécurité. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis, moi ? Vous voyez bien ce qui se passe en Guadeloupe ? Ah, on ne va pas être policier municipal en Guadeloupe actuellement, quoi. Vous voyez, d'abord, je pense qu'ils font valoir leur droit de retrait parce que tu peux... Voilà. Et puis la police municipale n'est pas chargée d'assurer le maintien de l'ordre. La police municipale assure une police de proximité. C'est la police nationale et la gendarmerie en zone gendarmerie qui assurent le maintien de l'ordre. Et évidemment, pour assurer le maintien de l'ordre, il faut des équipements à la hauteur de la situation justifiée par le maintien de l'ordre. Donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà, la police municipale n'est pas là pour assurer le maintien de l'ordre. Sauf quand on accompagne sur des opérations la police nationale, mais on n'est jamais devant, on est toujours derrière, en retrait, en protection des véhicules, en protection de... Voilà. En base arrière, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà. Bon. Oui, monsieur Guège, madame Moutot. Merci, monsieur le maire. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de la police... Je tiens tout d'abord à saluer le travail de la police municipale, puisqu'on voit bien que les chiffres sont stables. Donc c'est forcément grâce au travail de nos équipes. Donc merci à eux. Je souscris aussi à la demande qui a été faite de pouvoir consulter effectivement ce diagnostic local. Je pense que ça serait utile pour l'ensemble des conseillers. Et j'ai une petite question sur le plan d'action, enfin sur la coordination entre les services de la police municipale et les services de la police nationale. Est-ce qu'il est prévu dans ce plan de coordination de savoir qui agit quand il y a des points de trafic de drogue, puisque je crois qu'on avait eu quelques échanges assez rapides sur ce sujet-là, mais existant quand même, qui, selon ma compréhension, montraient qu'il n'y avait pas une coordination, un plan d'action très bien réparti entre les forces nationales et les forces locales. Donc est-ce que c'est réglé par cette convention ou c'est encore en chantier ? Non. C'est la police nationale qui intervient. Voilà. Nous, on intervient, on peut faire du renseignement parce que l'on constate sur le terrain. S'il y a un flagrant délit, évidemment, et encore, il faut quand même qu'on puisse estimer ce qui se passe. Voilà.
Mais la situation est particulière puisque depuis un an, nous sommes dans un GLTD. Voilà. Et dans le cadre du GLTD, bien sûr que la coordination, elle est encore renforcée puisque c'est même le procureur de la République qui, enfin, c'est sous l'égide du procureur de la République. De façon, quoi qu'il arrive, ça, toutes les actions se mettent sous l'égide du procureur de la République. Mais enfin, la coordination est encore plus renforcée et il y a des actions systématiques qui se font, en tout cas régulières, avec la police nationale et la police municipale. C'est même la volonté affirmée dans le GLTD que plusieurs fois par mois, des actions se mènent conjointement sur des points de deal ou sur des endroits qu'on a identifiés à l'avance. Alors, évidemment, pour ce faire, il faut que la police nationale prévoie des effectifs. Vous savez bien qu'en soirée, il n'y a plus grand monde. Donc, la police nationale le prévoit à l'avance et nous informe de son intention d'intervenir et sollicite les effectifs de la police municipale. Voilà. Alors, quand des interventions se font comme ça, le résultat, il est plus ou moins probant. Alors, s'il y a des chiens qui viennent... S'il y a le chien renifleur d'Orléans, ça, évidemment, améliore l'efficacité, etc. Si l'action a été précédée, si ce genre d'intervention a été précédé en amont d'investigation et de planque par la police avant, évidemment, lorsqu'on intervient, les résultats sont meilleurs. Quand on intervient comme ça, je dirais, sans préparation, les résultats sont plus aléatoires. Voilà. Donc, tous les modes opératoires sont possibles. En tout cas, ça se fait en coordination parfaite entre la police nationale et la police municipale sous l'égide et sous la réquisition du procureur. Après, vous voyez bien dans la presse, les interventions, elles sont très diverses et variées, puisque la lutte contre le trafic et les stupéfiants se mène à l'échelle nationale et internationale, bien entendu. Mais pour ce qui est de l'échelle nationale, ça peut être des polices spécialisées dans le trafic de stupéfiants de Paris, de Marseille ou d'ailleurs, qui viennent interpeller à Chalette ou à Saint-Benoît-sur-Loire ou à... c'était à Autry ou je ne sais plus où, qui viennent intervenir, voilà, parce qu'ils les ont pris en chasse depuis la frontière espagnole ou belge ou je ne sais pas quoi. Donc, en la matière, et évidemment, quand ce sont des dispositifs comme ça qui interviennent nationaux, y compris le commissariat local n'est pas informé, hein, évidemment. Donc, le commissariat local, comme le sous-préfet, comme nous, on le découvre le lendemain, souvent dans la presse, parce que ils vont pas appeler. Voilà, vous imaginez bien que les procédures nécessitent la rapidité et la confidentialité. Donc voilà, les interventions, elles peuvent être de toute nature. Ça peut être les douanes, ça peut être les stupéfiants, ça peut être le SRPJ d'Orléans ou de Tours, ça peut être la gendarmerie d'ici ou d'ailleurs. Voilà, il y a des milliers de gens qui enquêtent tous les jours sur les trafics de stupéfiants, heureusement, entre autres. Quand il a été créé, le ministère de l'Intérieur a créé les CROSS. Ce sont des sites qui regroupent tout ce qui concerne le stupéfiant. Et donc nous, police municipale de Chalette, à notre humble niveau, on a recensé tout ce qui peut être point de deal, personnes, véhicules, etc. On a fait un listing de plusieurs pages et que l'on a communiqué à la CROSS 45 à Orléans, donc à la direction départementale de la sécurité publique. Après, il y a des informations qui retiennent, d'autres qui ne retiennent pas, mais des enquêtes sont menées, approfondies ou pas. Mais là, par contre, après, nous, on n'a plus la main mise là-dessus, bien entendu, c'est plus notre rôle. Après, c'est le commissariat. Après, nous, on le sait, on se doute qu'il y a certaines choses où c'est en enquête, et d'autres, c'est moins intéressant, et donc on est plus dans les opérations, on va dire, mensuelles, etc., que l'on fait régulièrement avec le commissariat. Voilà. Donc, en matière de stupéfiants, où on en est. Autant pour les incivilités du quotidien que pour ce genre de trafic, la présence d'une police de proximité est essentielle pour faire remonter les informations dont est privée la police nationale aujourd'hui. Faute d'effectifs, faute de moyens, faute de... Les priorités, vous savez, on a eu une réunion du GLTD il y a deux jours, enfin quelques jours.
Bien sûr, la priorité, c'est le trafic de stupéfiants dans le cadre du GTD, mais il y a toutes les autres priorités. S'il y a un homicide, voilà, les violences, le procureur de la République, nationalement, ont donné des priorités pour s'occuper des violences faites aux femmes et du traitement de ces... Voilà. Et tout ça, c'est de la procédure en termes de procédure judiciaire, c'est énorme. Dès qu'on engage le traitement d'une affaire, en termes de police judiciaire, c'est énorme. Or, au commissariat, il y avait 16 officiers de police judiciaire jusqu'aux vacances. Ils sont plus que 6. 6 ou 7. Donc, il n'y a plus de police... Enfin, voilà. Et donc, c'est la limite. C'est la limite aussi des actions qu'on peut mener, que peuvent mener les pouvoirs publics en la matière. Il manque des effectifs de terrain, de gardien de la paix, il manque des effectifs d'officiers de police judiciaire, il manque de personnes sur le terrain pour faire remonter des informations. Voilà, la sécurité publique nationale, il faut la remettre à plat. Et il faut doter, je l'ai dit, il faut doter les... Si on veut créer une vraie police de proximité, il faut des effectifs. Voilà. Oui, merci pour ces explications détaillées, c'est très intéressant. Au-delà de la question des moyens, qui est sans doute pertinente ici et là, bien sûr, je retiens des explications qui ont été apportées, un sentiment qu'on manque encore de coordination, parce qu'on voit bien qu'il y a différents services qui interviennent à différents niveaux, on n'est pas forcément toujours au courant de qui intervient à quel moment, etc. Donc des démarches comme le GLTD sont certainement pertinentes. J'imagine que le procureur de la République doit aussi coordonner les choses à son niveau, bien sûr, comme le DDSP certainement. Mais le sentiment que j'en retire, au-delà de la question des moyens, c'est aussi un besoin d'une coordination renforcée entre tous ces acteurs qui, pour l'instant, me paraît encore insuffisante compte tenu des nuisances supportées par la population, bien sûr, face à cette délinquance. Honnêtement, en tout cas, pour les affaires qui se déroulent localement. Je ne parle pas de ce qui est importé de l'extérieur. Il y a de la coordination. S'il y a un problème, c'est un problème d'effectif. C'est tout. Ce n'est pas un problème de coordination, honnêtement. Sur la CIRCO, la police, avec la justice, voire la gendarmerie, collabore parfaitement. Bien entendu, la délinquance et le trafic de stupéfiants, en particulier, ne s'arrête pas au pont de Buges, mais elle peut se prolonger sur Corqui, sur Grisel ou vous m'avez compris. Bref, il faut une coordination étroite, évidemment, avec la gendarmerie, puisqu'on est en zone gendarmerie. Et sous l'égide, c'est sous l'égide du procureur et que ça se passe. Et des juges, voilà, il n'y a pas de frontière à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs des juges d'instruction ou des pouvoirs du procureur. Donc non, il y a la coopération. S'il y a un problème de travail sur le terrain, c'est un problème vraiment d'effectif. Voilà. On est beaucoup en relation avec nos collègues du commissariat. On travaille beaucoup. On se rencontre sur la voie publique. On a vu quelque chose, ils ont vu quelque chose. On va ensemble ou avec les officiers qui sont au commissariat. On travaille ensemble. Mais c'est vrai... il y a aussi une question d'effectif. C'est quand vous perdez 40% de votre effectif, je ne parle pas pour nous, je parle pour eux, obligatoirement, il y a un peu moins d'action de mener. Donc, c'est sur ça. Après, sur les points, entre guillemets, les points noirs de la ville, les rassemblements qui posent problématique, ça a été recensé, le commissariat est au courant. Après, c'est une question d'effectif pour intervenir. Et après, aussi, de moyens légaux aussi. Parce que nous, on ne peut pas intervenir comme un officier de police judiciaire. On est des APJA, on n'est pas OPJ. Donc il y a des choses sur lesquelles, même si on sait qu'il y a quelque chose, on ne peut pas intervenir, autrement on est dans l'illégalité. Donc, vous voyez, c'est aussi, on marche des fois un petit peu sur la ligne jaune. Voilà, c'est difficile aussi. Ça. Après c'est normal, la loi c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde, aux policiers comme aux citoyens lambda. L'état de droit n'existe que par le respect des procédures légales de la part des forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre ne respectent pas les procédures légales, ça ne s'appelle plus un état de droit. Et donc, même si... Voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Heureusement, ça s'appelle l'état de droit. Sinon,
Moi, je... Voilà. Si quelqu'un me dénonce son voisin, je vais envoyer la police municipale perquisitionner sans mandat en disant « il y a de la drogue chez vous » ou « il y a, je ne sais pas quoi, des cigarettes de contrebande » ou « je ne sais pas quoi ». Non, on est obligé, nous sommes obligés de respecter des procédures. Ça, c'est comme ça que existe et vit l'état de droit. Mais ce qui est important, c'est quand même sur la courbe à l'échelle de la circonscription de police, vous avez vu, hein, la baisse de la délinquance, enfin des faits, pardon. Des faits constatés. Parce que y a, là-dedans, il y a tout. Mais la baisse de des faits, au moment où, en 2017, quand c'était à 6 000, la ville était à moins de 20. Aujourd'hui, où c'est à 4 000 ou 3 400, on est toujours à 20 %. Voilà. C'est parce que si rien n'avait été fait, si nous n'avons rien fait, si nous n'avions rien fait, comme nous le reprochent certains sur Chalette, on n'en serait pas dans cette proportion-là. Vous voyez ? Ça veut dire que, voilà, à Chalette, l'évolution, elle est maîtrisée comme sur, au même niveau que les autres villes. Et compte tenu du poids de la population de Chalette dans cette circo de police de 40 000 habitants, on est largement, en termes de pourcentage, en dessous de ce que représente la population de Chalette. Maintenant, pour conclure, pour moi, je suis à votre écoute de tous les élus. Si l'opposition a des propositions à faire, parce que vous en faites beaucoup en période électorale, mais un peu moins au moment après, si vous avez des propositions à faire pour améliorer la sécurité des habitants, je suis à l'écoute de vos propositions et le conseil municipal est à l'écoute de vos propositions. Bien. Est-ce qu'on... Il y a monsieur... Qui est-ce qu'elle... Il y a madame Henry, d'abord. Madame Henry, qui avait levé la main. Donc, oui. Madame Henry, après monsieur Fort, et après monsieur Balaban. Madame Henry. J'avais... Je n'ai pas si longtemps. D'abord, merci. J'avais, en fait, une question purement sociétale, en fait, au niveau national. Est-ce qu'on a enregistré une baisse de la délinquance et des infractions suite au confinement et au couvre-feu successif de l'année 2020? Oui, ça, sur, au niveau national, régional, communal, départemental, au niveau national, dans tous les échelons, à toutes les strates, bien sûr, avec les confinements de 2020, de mars 2020, pendant deux mois et demi, trois mois, après, comment il s'appelle, ceux d'octobre, oui, il y a eu une baisse. Mais, paradoxalement, et je le revois avec les chiffres de cette année, 2021, et mois de mai, ça commençait à remonter légèrement. Bon, après, ça a stagné sur juillet, août, septembre. Mais on s'aperçoit qu'il y a eu une petite hausse après le confinement et c'était fin mai qu'on a arrêté le couvre-feu. Donc voilà, c'est vrai qu'après quand on a entre guillemets libéré tout le monde et moi le premier, j'étais content. C'est vrai qu'il y a eu une légère montée des cambriolages. Et de certaines agressions, mais le plus, c'était du cambriolage. Parce que montrent les études, c'est aussi que sur 2020, si les violences dans l'espace public ont baissé, les violences intrafamiliales ont fortement augmenté. Voilà. Donc, bien, monsieur Faure. Oui, je vais être bref. On a fait déjà beaucoup sur la sécurité ce soir. Je vous remercie. Et je remercie le chef de la police, en tout cas, du travail qu'il effectue avec toute son équipe. J'en profite, effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur nos propositions, forcément. Je vois que vous en avez suivi quelques-unes, puisque on a défendu l'augmentation de la police, ce qui a été fait. Donc, c'est bien, on vous en remercie. On annotera, bien sûr, les caméras, hein, qui restent un sujet d'actualité. Donc, si vous pouvez continuer dans le suivi de nos propositions, on vous en remerciera. Voilà. Peut-être vous avez des propositions plus précises à faire, c'est ça que je veux dire. D'accord. C'est Monsieur Balaban. Merci Monsieur le maire et merci beaucoup à Monsieur Pelletier de sa présentation. Et bravo également au fait que les chiffres baissent. Effectivement, on sait aussi que c'est aussi un peu grâce aussi
au fait du confinement. C'est quelque chose de national également, n'oublions pas, mais qu'en tout cas, on est stable par rapport aux années précédentes. Et par rapport, moi, je voulais surtout intervenir parce que vous venez de faire une punchline, comme on l'appelle en règle générale dans les médias, en disant qu'on ne faisait pas de propositions et qu'on faisait souvent dans les périodes électorales. Je vous rappelle qu'il y a des commissions et que dans les commissions, nous faisons des propositions et malgré tout, ces propositions n'apparaissent pas dans les comptes rendus des commissions, monsieur le maire. C'est ça. Quelles propositions vous avez fait en matière de sécurité ? Plusieurs propositions. Donnez-moi la dernière proposition. Quelle proposition en matière de sécurité vous avez fait qui n'a pas été reprise dans le compte rendu ? Alors, dans la commission, on n'en a pas fait en termes de sécurité, puisque on n'est pas vraiment dans la sécurité à ce niveau-là. On n'y est pas vraiment, car il n'y a pas eu de présentation de sécurité lors des commissions. Monsieur le maire, c'est la première fois d'ailleurs qu'on a une présentation. Ça ne m'empêche pas de faire des propositions, heureusement. Donc voilà, et la proposition qu'on a faite, on a bien fait plusieurs propositions. Monsieur le maire, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, après vous parlerez, parce que je sais que vous respectez la parole des autres et vous êtes à l'écoute en règle générale. Ouais. Donc continuez à être à l'écoute, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, donc, nous faisons des propositions. D'ailleurs, M. Faure vient de le rappeler. Nous avons également une proposition par rapport aux caméras qui ne sont pas forcément partout. Nous, c'était dans notre proposition, dans notre programme, d'installer des caméras à des endroits utiles. On travaille avec la police nationale, la police communale et également avec Valogis, c'est-à-dire avec les HLM, autrement dit. Donc, nous avons des propositions, nous les avons déjà mis sur la table. Donc, merci bien de les prendre en compte et de ne pas dire que nous ne faisons pas de propositions. Non, mais vous merci. Moi, j'attends de vous des propositions plus précises. Ce n'est pas « j'ai envie ». Voilà, non, il faut des propositions précises. Ça veut dire quoi ? Voilà. Mais je vous propose que les commissions ad hoc s'en saisissent et qu'on fasse un groupe de travail sur la sécurité, si vous le voulez. Voilà, où chacun pourra faire ses propositions. Madame. Je voulais juste remarquer que la baisse des plaintes et la baisse de la quantité de chiffres, elle est peut-être due aussi au fait de la baisse des effectifs pour prendre les plaintes. Tout est possible. L'augmentation des chiffres peut être aussi le signe d'une activité de révélateur de l'activité de la police. Si la police n'a pas d'activité, il n'y a pas de chiffres. Elle ne fait pas de chiffres. C'est le grand débat qu'il y a eu à une époque. Si l'activité, comme le disait M. Pelletier, il est évident que sur l'année 2020, les chiffres en matière de stupéfiants vont faire un bond, puisque l'action de la police a été concentrée sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et l'interpellation aussi des dealers comme des consommateurs. Il y a sans doute beaucoup plus de consommateurs qui ont été verbalisés, puisque c'est verbalisé maintenant. Donc, il n'y a pas de plainte, mais enfin bon. Voilà, forcément, si la police mène une action efficace et déterminée sur un espace ou un temps, forcément, ça apparaît dans des chiffres. Voilà. Mais vous avez raison, oui. Après, c'est clairement rappelé par le procureur, donc le parquet, que, en tout cas, la prise en compte des plaintes par rapport aux violences faites aux femmes, c'est parce que les gendarmeries et les commissariats sont bien informés. Après, la réponse juridique qui est apportée, c'est pénale, enfin juridique, c'est autre chose. Hein. Bien, très bien. Merci, Monsieur Pelletier. Merci à vous. C'est bon. Donc, nous avons des collègues qui sont arrivés pendant la projection. Je les salue, évidemment. Délibération numéro 1, c'est un représentant à l'association Coalia. Madame Hug. Merci, monsieur le maire. Alors, suite à la démission de madame Pruneau, qui avait été élue représentante titulaire de la commune au sein du conseil de concertation de l'association Coalia le 13 juin 2020, le conseil municipal a décidé de pourvoir à son remplacement le 26 octobre dernier en élisant à ce poste M. Thierry Jolivet. M. Thierry Jolivet étant auparavant représentant suppléant, il convient donc à présent de le remplacer au scrutin majoritaire. À cet effet, la candidature de Mme Fézor est proposée. Tu
Je me demande s'il y a d'autres candidats. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidatures pour représenter, pour être présent à Coalia? Bien, donc on vous propose de désigner Madame Fezor comme suppléante. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, c'est une convention tripartite avec le Conseil départemental pour l'utilisation des équipements sportifs au profit du Collège Paul-Éluard. Et nous aurons la même délibération pour Picasso. Bon, c'est une délibération qui revient tous les ans, hein, ou tous les trois. Oui, enfin, c'est tous les trois ou quatre ans maintenant. Je ne sais même plus. C'est quoi la durée ? Période quadriennale, c'est ça. Donc la présente convention tripartite entre le Conseil départemental du Loiret, le Collège Paul-Éluard et la Ville, arrivant à terme le 31/12/2020, T1, il a lieu de la renouveler pour une nouvelle période quadriennale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Voilà. Donc la convention, elle récapitule les éléments suivants. Les équipements sportifs mis à disposition des collèges. L'utilisation est définie par un planning de réservation. Elle mentionne l'indisponibilité éventuelle des installations, l'inventaire du matériel, les modalités de participation financière du département, les dispositifs techniques de sécurité, les responsabilités des assurances, la durée, les modalités de dénonciation, de résiliation et le règlement éventuel des conflits et des litiges. Voilà. Bon. C'est un renouvellement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3. Convention tripartite, pareil, avec le Collège Picasso pour l'utilisation de différents équipements municipaux. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 4, c'est un partenariat avec l'Éducation nationale pour la mise en œuvre du dispositif Petit déjeuner à l'école. Madame Pascoe. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive et que l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leur capacité d'apprentissage, il importe de favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et pour certains de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté adoptée par le gouvernement en 2018 prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans les territoires en difficulté sociale la contribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire selon le choix de l'école et de la commune. Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires, tout en respectant les préconisations en matière d'équilibre alimentaire. La ville a accepté d'être volontaire pour promouvoir ce dispositif à destination de tous les enfants des écoles chalétoises. Aussi, il est proposé d'approuver le partenariat à conclure avec l'Éducation nationale par le biais de la convention 6 juin et d'en autoriser la signature par monsieur le maire. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Chrysodoulou, monsieur Balaban. Oui, je trouve ce dispositif très intéressant puisqu'il va contribuer, à mon sens, à réduire, ou du moins il va participer à réduire les inégalités alimentaires. On sait que 13% des élèves scolarisés en REP et en REP+ arrivent le matin à l'école le ventre vide. Donc, mais par contre, j'aurais trois questions pour voir un peu plus clair par rapport à ce dispositif, dans notre cas précis. Donc la première question, c'est en lisant l'annexe, je vois que deux de nos écoles, la maternelle Cosson et la maternelle Moineau, ne sont pas concernées de manière quotidienne par ce dispositif, alors que les autres le sont. Alors j'aimerais savoir pourquoi, ça c'est ma première question. Deuxième question, on parle de petit déjeuner complet équilibré. Concrètement, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'il y aura, comme le recommandent les nutritionnistes, un petit déjeuner équilibré avec un produit céréalier, un produit laitier, un fruit frais et de l'eau pour l'hydratation de l'enfant? Et troisième question, ça concerne le volet éducatif, qui est un volet essentiel de ce dispositif, l'éducation à l'alimentation, l'éducation au goût. Donc le goût s'apprend, on sait que le goût s'apprend, s'éduque, s'acquiert dans le temps.
Dans la convention, on nous précise que le projet pédagogique d'éducation à l'alimentation sera animé seulement par les personnels enseignants sur le temps scolaire. Mais qu'en est-il des autres temps éducatifs ? Je veux dire par là le temps du petit déjeuner lui-même, qui peut être aussi un moment d'apprentissage et de socialisation, et de manière plus générale, les temps périscolaires. Et on sait que, en termes éducatifs, l'existence d'une cohérence, d'une continuité entre tous les temps pédagogiques, c'est la chose la plus efficace. Donc voilà, quel est, autrement dit, est-ce qu'il existe un projet global d'éducation à l'alimentation et au goût dans notre commune vis-à-vis de ce dispositif ? Merci. Alors, pour répondre à votre première question, les écoles ont été libres de faire le choix qui leur convenait le mieux en fonction des objectifs qu'elles souhaitaient mettre en place, en fonction des disponibilités et des souhaits des enseignants, en accord avec M. Raisonnier, l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc, il est vrai que certaines écoles n'ont pas choisi d'avoir un petit déjeuner tous les jours. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, le choix qui a été fait du petit déjeuner en question, là aussi, est lié aux contraintes fixées par les enseignants qui trouvaient que le premier projet qui avait été développé juste avant le confinement était très très lourd à gérer avec effectivement un vrai petit déjeuner avec boisson, une fois par semaine avec boissons chaudes, céréales, fruits frais, compotes, confitures, pain, etc. Et donc, il a été trouvé une sorte de compromis, entre guillemets, avec un apport nutritionnel tous les jours ou tous les deux jours en fonction des écoles, la possibilité de choisir, outre la pomme qui a été l'élément majeur, retenu, dirons-nous, un aliment complémentaire, barre de céréales, petit pain, etc. Donc c'est les écoles qui ont fait leur choix, ça vient de la direction des écoles, en accord toujours avec M. Raisonnier. Et enfin, en ce qui concerne votre dernière question, il est bien évident que l'initiation au goût, la cuisine centrale le gère tous les jours et s'en occupe tous les jours dans la constitution des menus approuvés par une diététicienne. Je vous rappelle que l'équilibre alimentaire d'un enfant se fait sur 21 jours, donc c'est assez long. Et donc tous nos menus, tous les nouveaux goûts qu'on peut proposer à partir de semaines à thème qui vont se remettre en place bientôt. Le Covid n'a pas arrangé les choses. Il y a déjà quelques actions qui ont été mises en place, mais ça va s'intensifier. Donc l'initiation au goût, bien sûr, on ne le perd pas de vue. De même que avec la loi Egalim, à partir du 1er janvier, il va falloir, et on travaille là-dessus, introduire systématiquement des produits en circuit court et bio dans l'alimentation de nos élèves, quasiment tous les jours. En continuant également, évidemment, le menu végétarien qui nous est imposé par la législation. Donc, je pense que sur Chalette, on fait quand même beaucoup de choses pour inciter les enfants à goûter, à avoir une alimentation diversifiée et puis à prendre en compte aussi le fait que le maximum d'entre eux, en fonction des retours des enseignants, puissent prendre au moins une petite collation tous les jours. Voilà. En résumé, de toute façon, dans ce dispositif, la ville n'est pas chargée de la mise en œuvre du dispositif. Nous ne sommes que partenaires. Nous assurons la logistique, mais ce n'est pas nous qui sommes chargés de mettre en œuvre ce dispositif. C'est l'éducation nationale. Et comme les écoles maternelles et primaires, ce ne sont pas des établissements publics locaux d'enseignement et qu'ils ont une autonomie pédagogique, chaque équipe pédagogique de chaque école fait ce qu'elle veut. Voilà, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale. Mais bon, chaque école est autonome dans la mise en œuvre de ses actions. Bien, donc je vous propose de procéder au vote. Oui, M. Balaban. Merci, M. le maire. Moi, il y avait juste quelques remarques et quelques questions. Donc, la première remarque, c'est que j'ai été étonné de voir qu'il est écrit entre le ministère de l'Éducation nationale, donc ce qui est tout à fait normal, je ne termine pas le paragraphe, et le maire de la commune de Chalette. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'écrire plutôt la commune de Chalette sur l'un représenté par M. Frandemont, maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 2020, comme dans les conventions précédentes ? C'est juste une question de technicité.
Et ensuite, c'est par rapport à, dans l'article 2, au niveau de la durée de la convention, il est écrit que cette convention est conclue pour les périodes du 11 octobre au 24 décembre 2021 et du 3 janvier au 7 juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre, donc la période du 11 octobre au 24 décembre est déjà un peu... Ben, on est déjà dedans, et ce qui veut dire qu'il y a déjà depuis un mois qu'on aurait dû déjà donner ces collations. Non, mais on régularise. Ces collations sont déjà données depuis. C'est déjà en place. Effectivement, le 11 novembre. Vous avez bien vu que la convention. Le 11 octobre, pardon. C'est pas la ville qui l'a rédigée. 11 octobre, oui. Ah non, depuis le 11 octobre, c'est pas mis en place. Je peux vous le affirmer parce que j'ai deux enfants qui sont justement à Camille Claudel. Mais je vous dis. Donc, les écoles ont une autonomie pédagogique complète, donc ils font ce qu'ils veulent. Nous, si on nous demande les petits déjeuners, on les amène. Si on nous dit, on voulait continuer le petit déjeuner tel qu'il faisait avant, les équipes pédagogiques, on dit ça prend trop de temps, c'est pas notre boulot, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc on le fera pas. Alors dans ce cas-là, il va falloir expliquer davantage. On peut pas les obliger à faire quoi que ce soit. Hein. Donc ensuite, il y a marqué dans l'article 5 le montant de la subvention qui s'élèverait à 15 150,60 € sur la base de 12 042 petits déjeuners à 1,30 €. Donc, ce qui veut dire que les 12 042 petits déjeuners sont à partir du 11 octobre au 24 décembre et le 3 janvier au 7 juillet 2022. Correspond à ça, oui. Point d'interrogation. Donc voilà, c'est des petites choses qui paraissent incohérentes aujourd'hui parce que nous sommes le 23 novembre, tout simplement. Donc, mais sinon, pour être vraiment dans le fond, on n'est pas dans la technique. Des questions, M. Balaban, qu'il faut poser en commission. Elles sont là pour ça. C'est des détails techniques. Je ne fais pas partie de la commission éducation. Oui, vous avez des représentants à la commission éducation, c'est votre problème. Je ne suis pas. Qui seront mis à jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est une interpellation pour... La technique, on s'en occupe, on sait faire. La preuve que non, parce que là, je suis désolé, mais on a reçu quelque chose avec des erreurs. Bien, merci. J'ai pas terminé. J'avais mes questions, monsieur le maire, j'ai pas terminé. Oui. Merci. Allez-y. La question, c'est à partir de quelle heure le petit déjeuner sera distribué et à quel créneau ce petit déjeuner sera-t-il pris par les enfants ? Vous posez ça au conseil d'école, monsieur Balaban, vous y êtes. Non, je ne suis pas au conseil d'école. C'est mis en œuvre par les directeurs. Je ne suis pas au conseil d'école, monsieur le maire. Mais si vous êtes parent d'élève, vous avez tout à fait la possibilité de vous. Je ne suis pas délégué aux parents d'élèves. Si vous êtes parent d'élèves, il y a des représentants dans l'école où sont scolarisés vos enfants. Vous leur faites remonter vos questions et le conseil d'école y répondra. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas capable de me donner cette réponse-là. On va donner la moi dans ce cas-là. Monsieur Balaban, je viens de dire il y a 5 minutes que la ville, c'est pas la ville, ce ne sont pas les services municipaux, notamment celui de la restauration scolaire, qui est chargé de la mise en œuvre de ce dispositif. Ce dispositif, comme c'est dit dans la Convention, est mis en œuvre par les enseignants eux-mêmes. Ah non, c'est pas ce qui est écrit. Donc, nous, on assure la logistique et la fourniture du matériel. Donc, c'est à vos représentants au Conseil d'école qu'il faut faire poser la question. C'est pas ce qui est écrit dans cette convention. Voilà. C'est marqué écrit noir sur blanc. Ah non, dans cette convention, il est écrit que c'est marqué noir sur blanc. C'est les enseignants qui font, c'est la mairie qui doit payer les enseignants. C'est marqué noir sur blanc. C'est ce qui est écrit. Voilà. Donc ça veut dire qu'on paye les enseignants alors. Bon, n'importe quoi. C'est ce qui est écrit. Oui, En gros, vous êtes en train de me dire que vous avez une convention que vous n'avez pas lue. Mais c'est très clair, la convention, elle est très claire. Je l'ai bien lue, je l'ai signée. Vous l'avez déjà signée en plus. Je pense que vous la lisez pas très bien. Vous l'avez déjà signée en plus. D'accord. Bien, je vous propose de voter cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Une abstention. C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 5, c'est le règlement des accueils péri- et extrascolaires. Madame Pasco, de nouveau. De répondre aux besoins de garde des familles, mais aussi apporter une plus-value éducative à ces temps. Que ce soit avant et après la classe, le mercredi ou les vacances scolaires, les structures et équipes partenaires des collectivités dans le développement de structures et d'actions... Que ce soit avant et après la classe, le mercredi ou les vacances scolaires, les structures et équipes d'encadrement répondent au cadre réglementaire et qualitatif fixé par la DRAGES et la PMI.
partenaire des collectivités dans le développement de structures et d'actions au bénéfice des enfants. La Caisse d'allocation familiale du Loiret soutient également ces dispositifs financièrement par conventionnement avec la ville. Ces temps et structures d'accueil constituent un service public facultatif proposé aux familles dont la vocation est de développer une offre de qualité accessible à tous. La pause méridienne n'est pas régie par les mêmes règles, mais fait tout de même partie intégrante de temps éducatif. Si les projets pédagogiques développés sur ces temps d'accueil de loisirs s'inscrivent dans la mise en œuvre de la politique éducative de la ville en cohérence avec les orientations définies dans le projet éducatif, le présent règlement a pour but de fixer les grandes règles d'accès et de fonctionnement des temps péri- et extrascolaires des enfants d'âge maternel et élémentaire. Il regroupe les activités du secteur péri- et extrascolaire afin d'en faciliter la compréhension par les familles et uniformiser les procédures. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter ce règlement intérieur des activités péri- et extrascolaires pour la période de 2021 à 2026. Alors j'ajusterai juste une chose. En fait, ce nouveau règlement intérieur, c'est une sorte de condensé de trois règlements intérieurs qui existaient régissant le périscolaire, les centres de loisirs et l'extrascolaire. Donc on a tout rassemblé en un seul règlement qui globalement reprend à peu de choses près les mêmes choses, histoire de simplifier un petit peu la visibilité et la lisibilité pour les familles. Tout nous a semblé plus clair avec un seul règlement plutôt que d'en avoir trois pour chaque période un petit peu différente. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose d'adopter ce nouveau règlement. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 6, modalité de mise en œuvre du télétravail, Madame Hugues. Merci, Monsieur le maire. Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler la vie personnelle et vie professionnelle. Le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice. Quotité des fonctions pouvait être exercée sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mention que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclus du champ d'application du dit décret les autres formes de travail à distance, travail nomade, travail en réseau. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail avec l'attribution d'un jour de télétravail, avec possibilité de fractionnement exclusivement fixe au cours de la semaine, du mois ou de l'année. En effet, la possibilité de recourir aux jours flottants n'a pas été retenue afin de ne pas perturber les organisations de travail. La quotité des fonctions pouvant être exercée sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à un jour par semaine, en accord avec le responsable de service au sein de la ville. En conséquence, le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 4 jours par semaine pour un emploi à temps complet. Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus d'un jour par semaine dans les cas suivants. Pour une durée de 6 mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive. Cette dérogation est renouvelable après avis du service de médecine préventive. Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle, perturbant l'accès au service ou le travail sur site, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, exclusivement le coût des matériels, logiciels et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail. Aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler. Tout refus d'une demande initiale ou d'un renouvellement de télétravail, ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration, peut faire l'objet d'une saisine de la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par l'agent territorial. Il y en a plus de 70. Voilà. Il y a 6 pages avec le panneau. Il y a 6 pages. Hein. Après, il y a les modalités, les conditions, les moyens matériels, etc. Oui. C'est dans la note de synthèse. Il y a tout dans la note. Oui. Bien. Question. Alors, Monsieur Lalot. Moi, je suis un peu embêté pour voter là. Ce que vient d'exprimer Marie-Madeleine. On aurait pu le. On ne l'a pas dans l'ordre du jour du Conseil municipal. Dans l'ordre du jour du Conseil municipal sur le point 6, on a 10 lignes qui s'arrêtent. Enfin, il est précisé que le point sera présenté sous réserve de l'avis du comité technique. On n'a que ça. Moi, je peux pas. Je voterai pas. Hein, si j'ai que ça pour voter, je voterai pas. J'ai pas l'avis du comité technique. J'ai pas l'avis de la délégation des salariés. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment s'est déroulée la discussion? Moi, je peux pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Quand vous envoyez la note de synthèse, vous avez dans la note de synthèse les éléments. Deuxièmement, quand on a envoyé la note de synthèse, le comité technique ne s'était pas réuni. Il s'est réuni depuis, il a mis un avis favorable. Voilà. Le comité technique a émis un avis favorable. Et puis après, la note, la délibération, elle est consultable la veille, l'avant-veille du conseil municipal. En entier, tout le monde peut consulter les délibérations au service aux affaires générales la veille, l'avant-veille du conseil municipal. Non, les éléments essentiels ont été rappelés par Madame Hugues. Le reste, après, c'est des modalités de mise en œuvre technique. C'est la synthèse. Voilà, on vous a fait la synthèse essentielle des éléments. C'est-à-dire que le comité technique a donné, et je ne pense pas qu'il soit. Voilà, le comité technique a émis un avis favorable sur cette proposition. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas suivre l'avis du comité technique, c'est votre choix. Monsieur Christodoulou. Oui, moi, je constate que, en fait, ce document qui fixe les modalités du télétravail dans notre commune est en deçà de l'accord cadre du 13 juillet signé par les 9 organisations syndicales représentatives des 3 fonctions publiques et les représentants des employeurs. Je vais prendre quelques exemples pour montrer que c'est en deçà. Premièrement, l'accord cadre du 13 juillet prévoit une quotité maximum de télétravail fixée à 3 jours hebdomadaires. Là, on en est à seulement 1 jour par semaine pour un agent à temps plein. Deuxièmement, oui, maximum. Mais donc, c'est quand on est même bien dans le maximum. Deçà. Oui, mais je dis que c'est illégal. Je dis juste que vous êtes en deçà de ce que prévoit l'accord. Oui, d'accord. Deuxièmement, l'accord peut prévoir une indemnisation forfaitaire. C'est obligatoire pour les fonctions publiques de l'État et hospitalières. C'est possible pour la fonction publique territoriale. L'accord cadre dit que c'est possible dans le cadre du principe de libre administration. Donc je vois qu'il n'y a aucune indemnisation prévue pour les salariés en télétravail. Troisièmement, la mairie va mettre à disposition des agents télétravailleurs principalement un ordinateur. Mais qu'en est-il du poste de travail, notamment de l'ergonomie du poste de travail? On sait que de nombreux travailleurs ont été touchés par des troubles musculo-squelettiques, faute de poste de travail adapté.
Et quatrièmement, le document dont vous avez parlé, Madame Hug, ne prévoit rien sur le droit à la déconnexion. Or, c'est un droit consacré par l'accord du 13 juillet qu'il faut garantir effectivement, parce que le télétravail provoque un risque accentué en ce sens, en estompant la démarcation entre vie personnelle et vie professionnelle. Pour finir, je dirais que pour une commune comme Chalette, c'est important de mettre des bonnes conditions de télétravail pour des questions d'attractivité. On sait qu'on a des difficultés de recrutement d'agents communaux. Donc en proposant des conditions de télétravail dignes ou meilleures que ceux de nos voisins, on pourrait peut-être attirer certains agents. Merci. Très bien. Non, on respecte le cadre légal général, il n'y a pas de souci. Voilà, le comité technique a donné un avis favorable. Bien entendu, ce document, il va se mettre en œuvre. On est parti avec prudence compte tenu du nombre de postes télétravaillables, c'est-à-dire 77 sur 200 agents, ça fait beaucoup quand même. Et puis tout le monde ne peut pas télétravailler, donc on ne veut pas aussi non plus qu'il y ait un sentiment de discrimination entre les agents. Donc on a été prudent en partant sur une journée, et dans un an, c'est ce qui a été dit avec les chefs de service et avec les organisations syndicales, on fera un bilan de la mise en œuvre de ce télétravail. On n'avait aucun cadre, voilà, donc aujourd'hui on en crée un. Il n'est sans doute pas parfait, il est sans doute améliorable. On en fera un bilan, on fera un bilan au fil de l'eau, et on en fera un bilan général en fin d'année prochaine, et on verra les modifications. Et de toute façon, s'il y a des choses vraiment importantes qui ont été oubliées, on y remédiera immédiatement en marchant. Voilà. Bien, alors je vous propose de passer au vote, parce que de toute façon, nous avons arrêté le télétravail, là, dans l'attente de... Donc il y a des agents qui sont dans l'attente de ce vote pour pouvoir retourner en télétravail. Mais voilà, et donc c'est pour ça que je vous propose néanmoins de délibérer ce soir sur cette affaire-là. Donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc 3, c'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 7, vacation au CMS pour le remplacement d'un médecin, Madame Hug. Afin de répondre aux besoins de la patientèle et de pourvoir au remplacement temporaire d'un médecin généraliste en congé maternité, un professionnel s'est proposé de réaliser des vacations pour le centre municipal de santé. Il est précisé que ces consultations représenteront un caractère ponctuel, discontinu et sans aucune régularité. Sur ces bases, il est proposé de rémunérer ce professionnel à la vacation à raison de 50 euros brut de l'heure à compter du 24 novembre 2021. C'est quoi le 24 novembre ? C'est demain. C'est demain. Voilà. Donc c'est demain. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et évidemment, on remercie les médecins vacataires là, qui ont décidé d'intervenir pour remplacer, parce qu'on n'a pas trouvé de médecin remplaçant pour l'instant, donc qui vont permettre de pallier aux absences pour congé de maladie de nos médecins. Voilà. Délibération numéro 8, c'est la mise en place de l'indemnité forfaitaire pour fonction itinérante. Madame Hug. Jusqu'à ce jour, une indemnité forfaitaire annuelle d'un montant maximum de 210 euros était versée aux agents utilisant régulièrement leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 2020, il a été porté le montant maximum annuel de cette indemnité forfaitaire à 615 euros à compter du 1er janvier 2021. Il est proposé au conseil municipal de moduler le montant annuel de l'indemnité à 615 euros pour un nombre de kilomètres parcourus au titre de l'année civile égal ou supérieur à 1000 kilomètres, 465 euros pour un nombre de kilomètres parcourus au titre de l'année civile compris entre 650 et 999 kilomètres, 310 euros pour un nombre de kilomètres parcourus au titre de l'année civile compris entre 400 et 649 kilomètres,
155 € pour un nombre de kilomètres parcourus au titre de l'année civile jusqu'à 399 km. Les fonctions éligibles doivent être caractérisées par des déplacements fréquents, voire quotidiens, à l'intérieur d'une même commune, dès lors que cette fréquence rend difficile, voire impossible, l'utilisation des transports en commun et que l'agent ne peut pas disposer d'un véhicule de service. À ce jour, les fonctions itinérantes justifiant l'octroi de cette indemnité sont les suivantes. Je ne lis pas parce que je pense que vous l'avez aussi dans la note de synthèse. Hein. Vous avez vu tous les services donc avec l'agent qui peut prétendre à cette indemnité. Donc, vous l'avez eu dans votre tablette ? Oui ? Voilà. Il est précisé que le montant de l'indemnité est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle elle est versée si l'agent a été recruté au cours de l'année, radié des cadres ou des effectifs au cours de l'année, ou bien placé dans une position administrative autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. En outre, elle est versée au prorata du temps de travail de l'agent. Chaque bénéficiaire se verra attribuer l'indemnité par voie d'arrêté. Elle est reconductible d'une année sur l'autre, sous réserve que l'agent bénéficiaire continue d'exercer les fonctions y ouvrant droit. Il est proposé de mettre en place cette indemnité sur la base des modalités précisées ci-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Loiseau. Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Juste une petite question. Comment on peut savoir, au niveau du kilométrage, les personnes ? Voilà. Vous mettez entre... Ça va être comme l'histoire de l'indemnité de mobilité. Ça sera déclaratif. Donc, ça sera fait a posteriori, en fin d'année, enfin donc en tout début de l'année suivante. L'agent fera une déclaration sur l'honneur, sur l'utilisation de son véhicule et le nombre de kilomètres. Voilà. Merci. Et il y aura l'avis du chef de service qui sera demandé pour vérifier la cohérence de cette déclaration. Voilà. Et puis après, s'empêche pas de faire des contrôles ponctuels ultérieurement. Voilà. Mais au départ, on est sur des systèmes déclaratifs. Voilà. C'est la loi, la loi française est basée sur beaucoup. À partir du moment où on n'a pas un élément... Alors si, on pourrait mettre des traceurs, on pourrait mettre des traceurs... Non, c'est bon, vous avez répondu, ça m'a suffi. C'était juste une petite question. C'est compliqué, quoi. C'est comme les indemnités kilométriques. C'est pas des indemnités kilométriques. C'est comme pour la mobilité, les agents qui veulent venir en vélo, faut qu'ils déclarent 200 jours de vélo par an, ou du covoiturage, etc. Bon, on part sur un système déclaratif et une attestation sur l'honneur et sur la confiance. Après, on verra en marchant. Bien, bon, de toute façon, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. C'est passé en comité technique aussi, ça a été adopté à l'unanimité au comité technique. Oui. Voilà, merci. Délibération 9, modification du temps de travail d'un employé aidé. Afin de permettre à un agent en contrat aidé actuellement à 20 heures hebdomadaires au service technique en tant qu'agent d'accueil, d'assurer l'intérim d'un agent gestionnaire des services techniques en congé maternité, il est proposé de modifier la durée hebdomadaire de ce poste en contrat aidé et de le porter à 35 heures hebdomadaires. Voilà. C'est pour remplacer donc un congé maternité au service technique. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 10, modification du temps de travail pour un poste créé pour accroissement temporaire d'activité, Madame Hug. Conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il peut être fait appel à du personnel non permanent en application de l'article 3.1 relatif au recrutement pour accroissement temporaire d'activité de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée maximum de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Lors du conseil municipal du 20 septembre 2021,
un poste d'adjoint d'animation territoriale à 2h50 avait été créé. Les besoins ayant été revus, il est nécessaire de procéder à une modification du temps de travail de ce poste et de le passer à 2 heures hebdomadaires. Très bien. S'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11, c'est le compte-rendu de délégation d'attribution. Vous avez eu... Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu d'attribution ? Monsieur Balaban. Merci, monsieur le maire. J'ai une question, c'est par rapport à la piscine. J'ai vu qu'il y avait un avenant qui avait été signé pour 9 mois supplémentaires. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la piscine se terminera dans 9 mois ? Il a été signé quand ? La date de fin des travaux aujourd'hui, c'est mars. Enfin, non, c'est février. La réception des travaux est prévue en février, c'est ça ? Et l'ouverture de la piscine un mois après, si tout va bien. Enfin, après les vacances de Pâques. Après les vacances de printemps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Lama. Chers collègues, j'ai été interpellée par des habitants de la Croix aux Anglais. Est-ce que c'est en lien avec la délégation ? C'est une question diverse. On n'est pas encore ? Ah non, on n'est pas encore sur diverse. Oui, j'ai cru que c'était question diverse. On est sur le compte-rendu d'attribution. C'était pas question diverse. Donc, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de question diverse. C'est des questions écrites ou orales, mais il faut en faire la demande. Oui. Excusez-moi, monsieur le maire. C'est en lien avec le point 11. On pense que c'est une coquille, mais deux conteneurs situés rue du Gué aux Biches, cadastrés AD97 d'une superficie de 63 758. C'est quelle décision ? Alors, c'est la décision 24/2021. Ouais, en deux conteneurs qui font 63 758 mètres carrés, je ne sais pas. J'ai un doute. D'accord, ok. Eh bien, merci pour la précision. C'est une information que vous nous donnez ? Là, c'est fournisseur matériel pour dire d'entretien, donc c'est pas ça ? C'est la masse de voile, c'est l'emprise totale de la C'est la 63 000. C'est la même chose que pour la Fête Bénix, on a fait toute l'emprise, toute la piste. D'accord. C'est la superficie de la base de loisirs, Oui. Alors, Madame Lama, j'ai pas compris le sens de votre intervention. C'est quoi ? C'est une question orale ? C'est quoi ? C'est une information. C'est quoi ? C'est une question. C'est une question. C'est une question. Bon. Oui, allez-y. Donc, chers collègues, j'ai été interpellée par des habitants de la Croix aux Anglais. Ils ont constaté que, par étonnement, qu'il y a eu la fermeture du passage menant à l'aire de jeu. Donc, ils veulent savoir le pourquoi. Le pourquoi, parce qu'ils n'ont pas été concertés, voilà. Et ils ont fait une pétition qu'ils ont envoyée en mairie et qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse. La demande du bailleur, c'est la demande du bailleur, parce que il y a un petit cheminement piéton d'un mètre de large entre deux maisons qui dessert l'arrière du hangar, et les habitants de ces maisons subissent des nuisances infernales nuit et jour depuis très longtemps. Donc, à la demande de la société d'HLM, nous avons fermé le passage. Voilà. Faudrait peut-être les informer parce que voilà.
ils comprennent pas. Donc j'aurais pu avoir un écriteau, quelque chose pour leur faire comprendre c'est le pourquoi. C'est au bailleur de le faire. C'est à la demande du bailleur, c'est les locataires du bailleur, c'est le terrain du bailleur, c'est au bailleur de le faire. Voilà. C'est le bailleur. Donc. Mais ils ont envoyé dans le quartier, tout le monde est au courant. Ça fait bien longtemps. Parce que là, chaque fois. Monsieur le maire, les habitants sont au courant. Ils étaient présents. Non. Parce que on a fait plusieurs réunions. On doit d'ailleurs, on nous demande d'installer des jeux. Là, il va falloir le faire. Sur l'emprise de la. Voilà. Après, l'accès du terrain n'est pas fermé. Hein. C'est ce passage-là qui est fermé. Oui. L'accès se fait de l'autre côté, c'est tout. L'accès, il se fait par un autre. C'est juste qu'il y avait une gêne au niveau des riverains, donc ils étaient présents ce jour-là. Et donc, c'est juste ce petit passage-là qui a été fermé. Le plateau sportif, il est accessible par l'autre côté. Hein, le plateau n'est pas fermé. Hein. D'accord. C'est juste merci de la réponse. Bon. C'est compliqué. Hein. De toute façon, tous les passages, vous savez, moi, je me rappelle de l'étude initiale de la ZAC du Château Blanc. C'était en 1988. L'architecte et l'urbaniste avaient prévu des venelles partout. Des venelles, des porches sous les immeubles pour assurer la continuité piétonne. Voilà, c'était il y a 40 ans. Et ces belles intentions urbanistiques, qui sont logiques, qui sont utiles, elles se fracassent sur la réalité de la vie des habitants. Voilà, alors peut-être qu'en mettant des caméras, on pourra réouvrir les venelles et les porches. Mais c'est des choix de société compliqués. Mais en tout cas, c'est compliqué. Les venelles et les porches, on les a fermées partout dans la commune, pratiquement, malheureusement. Ce qui ne facilite pas les échanges, la circulation. Mais voilà, les bonnes intentions, aussi nobles soient-elles, elles se fracassent souvent sur la réalité des choses. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne nuit. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, le mardi 15 décembre. Hein? Alors, ce n'est pas un mardi, c'est un mercredi. Parce que je pense que le mardi, il y a conseil d'agglo. Donc, ça doit être le mercredi 15.